À mes côtés, le porte-couleur de l'intrépide de Gatineau, Benoît-Olivier Gros. Benoît-Olivier, comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Toi qui remportes le fameux trophée Mario Lemieux, qu'est-ce que ça représente pour toi de remporter un trophée qui porte un nom aussi important qu'on connaît dans le monde du hockey? Pour moi, ça représente beaucoup. Je pense que ce trophée-là prouve un peu les efforts que j'ai appliqués tout au long de l'année, autant sur la glace qu'hors de la glace. Puis aussi, c'est pas un trophée individuel. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé, Nicolas Snow, les leaders de notre équipe qui sont présents ici. Donc non, je suis très fier. Dis-moi, comment ça a été ta première saison avec l'Intrépide, justement? Justement, ça a bien été. J'ai été très bien encadré dans une très bonne organisation. Martin Lafleur, qui est venu en aide, a fait du bon boulot. Comme j'ai dit précédemment, Nicolas Snow, vraiment les leaders de l'équipe, nous ont vraiment bien introduit, puis on avait une très bonne chimie. Donc ça a un peu facilité mon parcours. Et on peut dire là, quand même, c'est un trophée qui a beaucoup d'histoire, que des gros noms de la Ligue nationale ont remporté ce trophée-là. J'imagine que c'est gratifiant pour toi là, de remporter un honneur aussi important que celui-là. Oui, c'est ça. Mon rêve, c'est d'être dans la Ligue nationale depuis que je suis jeune. Je pense que d'avoir remporté ce trophée-là, je pense que ça m'amène un petit peu proche à mon rêve. Donc non, je suis très honoré et je vais continuer cette bonne voie. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a rien encore d'accompli de ton côté. Le plus dur est à faire, là, justement. Oui, sur le repêchage, j'en viens. J'ai une grosse été d'entraînement qui s'en vient. Donc là, c'est le temps de mettre les bouchées doubles et les sacrifices. Et il faut quand même dire que tu as quand même, j'imagine, des bons conseils de ton père, j'imagine. Ah, moi, mon père, comme on dit souvent, on se donne pas de conseils, on ne parle pas de hockey. Donc non, j'essaie d'y aller, comme on dit en anglais, by my own. Benoît-Olivier, félicitations et bonne chance pour la suite des chats. Alors, c'était Benoît-Olivier, le récipiendaire du trophée Mario Lemieux, remis au meilleur espoir de 16 ans.